Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon let's play sur Ouch, ça pique. Ouais, c'est vrai que je suis pas niveau 20. Assassin's Creed Odyssey. Alors, mais il est en l'abandon son temple à la Artemis, à la déesse de la chasse. Je suis déception de voir qu'il est dans cet état là. Mais enfin, il y a une petite quête à côté, on va voir ce qu'il propose. Qu'est-ce que tu fais ici? Oh, t'es vachement agressif, toi. Ces terres sont sacrées. Tu ne devrais pas être ici. Eh bien, pars, ou dis-moi ce que tu veux. Qui es-tu? Je suis les deux. Je ne viens pas créer d'ennuis, mais si tu en cherches, je suis là. Donne-moi ton nom. Alexios. Certains m'appellent le porteur d'aigle. Je suis Daphnae, la supérieure des filles d'Artemis. Et tu es... peut-être la personne que je Il y a des problèmes de son des fois dans le jeu. Un guerrier, un chasseur, quelqu'un qui reste neutre vis-à-vis du monde et des dieux. Quelqu'un qui relèvera mon défi. Tu peux toujours proposer, dis-moi. Comment pourrais-je refuser? Il y a un sanglier pas très loin d'ici. Tue-le et rapporte-moi sa peau. Tu veux que je tue un cochon? Ce n'est pas un sanglier ordinaire. Voyons si tu es à la hauteur de mon défi. Tue-le et rapporte-moi sa peau. Bon, ce que je vous propose... Je t'attendrai avec ta récompense. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse le sanglier. Hop. Ça va me rapporter un arc légendaire, de l'XP et des sous. Alors, sanglier de Calydon. Il se trouve dans la partie nord des terres sacrées d'Apollon. Il a été vu sur un plateau marécageux. Alors, les terres sacrées d'Apollon. Un plateau marécageux. Là-bas. Ça, c'est un marécage. Vous voyez, un peu d'eau. Ouais, on va aller faire ça, puis après on sera là... Ouh, il y a du loot. Un loot. Ah oui, après on sera à la bataille, si on peut. Ah, mais c'est ça, je suis couillon. Je peux pas mettre un point de plus là-dedans, là. Il me reste un point ou pas? Non, de toute façon, faut que je progresse dans l'histoire. Ah oui, il y a ce tir-là que je pense pas assez à utiliser. Donc j'avais dit qu'il fallait que j'aille... Voilà. Dites-moi si vous, quand vous avez fait le jeu... attendez, elle est où là? Elle est par là. Ça s'affichait l'endroit où vous deviez aller à chaque fois ou pas? Moi, ça me va bien hein, que ce soit pas affiché. C'est déjà assez facile à trouver. Il n'y a pas besoin d'être un génie pour trouver les lieux de quête. Hein. De toute façon, si je les trouve facilement, vous doutez bien. Ah. Je dis pas que je suis un abruti fini. Hein. Je dis juste qu'il n'y a pas besoin de faire preuve. Oui, il y a du marécage. Ça se trouve, j'y suis même déjà. Non, mais là, en plus, c'est tout jaune. Donc, il y a quelque chose d'intéressant à aller faire là-bas. C'est quoi, ça? Ah, mais c'est pas le lieu où va y avoir la bataille? Sur un plateau. Allez. Hop. Eh bah c'est ça. Ah bah oui. C'est un gros cochon. Oh là là, ça en fait des morts là. Descends. Oh, pop, 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 pop. Ça inspire pas confiance autant de Maccabée là. Quoi que j'aurais pu monter sur le cheval. Je voulais juste voir s'il y avait d'autres corps par ici. Sanglier de Calydon.
tuer l'animal légendaire. Hop, arrête de me faire tourner en bourrique. Allez, on va briser la chaîne. Voilà, au moins là j'allonge. Allez. Allez, hop. Ok. MMO, classique. Une incantation de mob. C'est pas 3 que j'ai fait, c'est 4. Allez, on lui met les dots. Hop. Hop. Allez, hop. Ok. Ouh, je sens que ça va être moins rigolo que prévu, ça. Bon. Ok. La lance, c'est peut-être pas une mauvaise stratégie. On m'attaquera sans poser de questions. Mieux vaut se faire discret. Voilà. Il m'attaque, hein. Allez, brûle. Et j'ai pas réussi à lui mettre le feu. Les petits marcassins sont pas là. Ah bah si, ils sont arrivés. Hop. Ah merde, faites sortir de la zone de combat, ça lui a rendu de la vie. Il y a une grotte là, il y a moyen de s'y cacher. Hop là. Ah.
Ils sont où les petits là? Et toi aussi brûle. Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Wow, 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 pop, pop. Ah, je suis trop bourrin. Non, faut que je change d'arme. Je vais laisser la lance, je vais prendre l'épée. Alors, la dague, ça va bien, c'est pour foutre les dots. C'est pas mal. Ouais. Inventaire. Voilà. Est-ce que j'ai des trucs qui me buffent contre les... J'ai pas un truc qui me buffe contre les dégâts de chasseur, un truc comme ça. Hop. Crit proba santé, dégâts assassins, à la dague. Ah bah ça, pas mal. Plus 10% de dégâts de chasseur. Ah ouais, mais chasseur, c'est pas contre les animaux, c'est à l'arc. Je suis couillon. Y a pas une arme qui va bien contre les animaux. On va voir. Ouais. Non. 8% de dégâts de chasseur, c'est pas ce qui m'intéresse. Non. 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 Nope, 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 nope. Ok. Bon, on va rester comme ça, c'est pas grave. Espérons que personne ne me remarque. Ils sont où les petits? J'ai cru les entendre, ouais. Hop là. Esquive. Voilà, j'ai réussi à faire une belle esquive, c'est pour ça qu'il y a eu le ralenti. Ok. Ah purée. Bah j'y arriverai pas. Hein. J'y arriverai pas. Hein. Bon, bah ça va être l'épisode du fail. Hein.
Elle est quel... D'ailleurs, elle est quel niveau cette quête? Je m'obstine, peut-être qu'elle est pas niveau 15. Et même 13? T'as bon Dieu, niveau 13. On doit rester hors de vue. Attendez. Quand on en chie comme ça. Ouais. Hop. Vu que j'en chie, je vais faire un petit tour chez le forgeron. Peut-être qu'il y a un lien avec la grotte. Ça se trouve, il y a une stratégie toute simple pour éviter les attaques. Je devrais peut-être aller faire ma quête. Hop. Alors, le forgeron. On va aller voir le forgeron dans un premier temps. Bah oui, parce que quand on n'y arrive plus, on va essayer d'améliorer un petit peu les armes. Kéré, à toi. Ouais, Kéré. Améliorer. Ah ouais, déjà plus 354. Ok. Ouais. Celle-ci. Plus 300. Ah, j'ai monté à 316. C'est pas plus 354, c'est que je monte à 316. Il n'y a pas un truc dégâts sur les animaux. Ça me redonne de l'adré. Ok. J'en suis où niveau stuff du coup? Donc ça c'est 15, ça c'est 15. Plus 20% est aptitude dispersion partir. Ouais, ou sinon je prends l'épée et la lance. Si j'améliore la lance. Pour un niveau, ça doit pas avoir grand chose. Moi, je gagne pas beaucoup en plus. 334, 354, plus 6% de dégâts à la lance, plus 9% de dégâts à chasseur, plus 6% d'adrénaline par coup. Et celle-ci, elle me ferait plus 10% de dégâts critiques, pardon, et 8% de dégâts du derrière. Honnêtement, elle fait plus de dégâts par seconde. Par contre, elle, avec les 10% de critique, là, ça me donne plus 20% avec aptitude dispersion de tir, ouais. Donc ça me fait mieux en chasseur, mais contre l'animal, ça me sert à rien, ça. Ou si j'améliore ce stuff-là, là. Plus 2% de tous les dégâts. Ah, 8% de... Ça vaut le coup. Le 8%... Le 8%. Je pense que je vais me refaire le... Ouais. Je vais me rebooster mon stuff initial. Je vais changer d'armure, je vais repartir là-dessus. Plus 6% d'adrénaline par coup et ça, plus 6% de résistance au corps. Ah, ça par contre, ça vaut peut-être plus le coup de l'améliorer que celui-ci. Parce que ça me fait plus 8% de dégâts de guerrier, plus 8% de dégâts de chasseur, ouais. Plus 6% de dégâts au corps à corps, plus 6% de résistance au corps à corps contre le sanglier, ça pourrait être bien, et plus 2 secondes de durée d'incendie. Ouais. Ah, j'ai pas quoi améliorer, il manque du minerai. Et sinon les jambières, c'était quoi?
plus 20% critique à santé faible. Ça peut être bien, ça. 20% dégâts critiques quand j'ai ma santé qui est faible. Parce que les spartiates, je m'en fous, je n'affronte pas. Par contre, plus 6% la lance. Plus 20% de dégâts critiques à santé faible. Quand j'ai la santé faible ou quand l'ennemi a une santé faible? Ah, là, je vous avouerai que... Je sais pas. De toute façon, vendre toutes les marchandises. Tout ce qui me sert à rien. Et je vais déjà lui acheter, j'ai des sous. Il doit avoir des pompes et des popos en bas là, des compos. Allez, achète tout ça. Ça c'est pareil. Obsidienne. Allez. Bon. Maintenant, faut s'équiper. Si je te fais autre chose, dis-le-moi. Non, mais c'est bon, je crois que j'ai dépensé assez d'argent chez toi. Du coup, est-ce que j'ai amélioré ma lance ou pas? Non, je l'avais pas amélioré. Ouais. Ouais, j'ai peut-être besoin de plus de pourcentage de dégâts de guerrier. Le casque. Ouais. Je perds en stats. Gantelet. Ah, ça pourrait être bien. Brassard taisé, j'étais couillon. C'est brassard taisé que j'aurais dû améliorer, c'est pas celui-là. Ah, si, 2% de critique et 10% de charge élémentaire. C'est pour ça. Et pourquoi j'ai pas amélioré? Parce que j'avais pas quoi le faire. Sûrement parce que j'avais pas de quoi le faire. Mais pourquoi ça j'ai pas amélioré plus? Ouais, parce que j'avais pas quoi y faire. Ou j'ai réfléchi. Qu'est-ce qu'il te faut? Hop, on va améliorer, on va voir. Attendez. Les brassards c'est fait. Là j'ai 4% de santé en plus, 12% à l'armure, ça me protège vraiment plus. Voilà, là j'ai plus assez de peau maintenant. Voilà. Ok, bon, ça c'est fait, je vais pouvoir me stuffer comme il faut. Voilà. Par contre, j'avouerais que votre armure était plus belle. Ah bah oui. Il y a un couvre-tunique en plus. Là. Et ça. %4 d'ignoré, plus 2%. 3% de résistance au corps à corps. Ah, ça c'est pour le 1 seconde de durée incendiaire. De santé. Ouais, on va garder ça. Et puis on va se retenter ça comme ça. On va voir, on est déjà 25 minutes de perdu pour un maudit sanglier, quoi. Juste pour un sanglier. Ah bah, ça va être là encore un épisode hors série. Je suis désolé, hein, j'aime bien papillonner, mais là, je m'attendais pas à ce que ce soit si compliqué. Et pourtant, j'ai 4 niveaux d'avance. Hein. Enfin, d'avance. Je suis 4 niveaux plus haut.
C'était une quête niveau 11, 13 11 ou 13 ? Non, niveau 13. Ouais, j'ai que 2 niveaux d'avance. Non, mais je voulais pas faire ça comme ça. Mais c'est pas grave. Cheval. Ouais, donc faut bien penser à looter ce qu'on croise. L'animal est là-haut. Est-ce que ça aura repop Alors la question c'est est-ce que ça repop? On va sauvegarder en arrivant là-haut. On va même sauvegarder tout de suite. On ne peut pas. On voit qu'il y a Icaros là-haut. Hop, allez. Hop. On y va. Ouais non mais j'ai tort de porter là, faut arrêter. Il y a des petits, il n'y a pas des petits. Hop. Allez, excusez-moi, je vais pas parler beaucoup pendant ce temps-là. Non, mais je suis pas sorti de la zone de combat, moi. Allez, charge. Ah mais je m'attends, quand je dis les charges, je parlais pas des petits, je parlais du gros. Wow. Elle fait aussi brûle. Oh. Oh, pop. Oh, allez, esquive. On va esquiver. Alors on va peut-être y arriver.
Hop. Hop. Wow. Hop, 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 hop. Il y a trop de mobs. Hop là, hop purée. Allez, finis-le là. Ouais, c'était compliqué. Le nombre de sangliers qu'il a fallu abattre. Voilà. Il est là. Et j'ai même pas looté quelque chose sur les vautours. Ok, alors remarquez, c'est bien ce petit côté réaliste avec les vautours qui viennent sur les charognes. Là, il n'y a plus rien. Ah, là, il y a du loot qui traîne. Voilà. Bon, bah, c'est une bonne chose de faite. Oh, il m'aura donné du fil à retordre, celui-ci. Et hop là. Supprimé. Hop là. Voilà. Bon. Première bête mythique abattue. Oh là là. Pouh. Vous en avez galéré. Vous avez galéré autant que moi, vous? Vous l'avez attaqué à quel niveau? Parce que là, c'est sûrement moi qui me suis mal pris dès le début. Bon, après, le fait de booster mon armure et mes armes, ça m'a permis de faire plus de dégâts. Mais ouais, là, j'étais pas. Franchement, là, mon petit Joe, t'étais pas au taquet. Hein. Ah ouais, pouvait carrément mieux faire. Mais bon, ça va me permettre d'avoir un arc légendaire. Alors, tu t'es perdu? Je t'ai tué ton petit cochon. Oh, petit cochon, il n'était pas si petit que ça. Tu es doué, très doué, ça ne fait aucun doute. J'ose même... J'ai de nombreux... Ouais. Je peux te l'assurer. Après la vieille, il n'y a plus rien qui me fait peur. Vraiment? Eh bien, j'ai hâte de les mettre à l'épreuve. Oh. Et qu'est-ce que tu as en tête? Beaucoup de choses, mais le travail avant tout. Il existe dans ce monde des bêtes qui n'en font pas entièrement partie. Elles y ont été placées par les dieux comme des épreuves. Jusqu'ici, je rentre déjà dans aucun dieu ni aucun mortel ne m'ont empêché d'accomplir ma destinée. Je blasphème. Nous verrons bien. Qu'est-ce que tu attends de moi au juste? Je m'attendais pas à cette réponse. Ton courage et ta valeur aux yeux d'Artémis, et que tu chasses ces créatures. Je n'ai pas à prouver ma valeur à qui que ce soit. Dis-moi plutôt quelle est la récompense. Ouais, je m'attendais pas à ce chaîne de discussion. Que tu rapporteras, je t'accorderai une faveur d'Artémis. Si tu parviens à tuer toutes ces bêtes, eh bien, disons que ta relation avec les filles d'Artémis en sera à jamais transformée. Bon, d'accord, ok. Je vais le faire. Combien y a-t-il d'animaux, exactement? S'ils sont tous aussi compliqués que celui-là, je vais y passer du temps. Et tu as déjà commencé ton aventure. Va chasser les animaux restants. Comment reconnaître ces créatures? Tu verras bien. Apporte-moi les pots.
J'attendrai ton retour avec mes sœurs, les filles d'Artemis. J'espère ne pas attendre trop longtemps avant de te revoir. Ok. On va voir ce qu'il vaut cet arc. Plus 4% de vitesse de charge de l'axe. De l'arc, pardon. Ouais. Plus 20% avec aptitude tir de prédateur. Ah bah là oui, ça aurait peut-être le coup de mettre tir de prédateur, en effet. Bon, ça fait une bonne chose de fait. On va appeler le cheval. On va aller se faire cette... Parce que là on a 36 minutes, hein. Je vais pas commencer la quête principale maintenant. Hors série pour hors série. Enfin, hors série. On va aller se faire la quête. Il me semblait que j'avais réussi à choper du bois aussi. Mais bon, tant pis. Allez, on va rejoindre les Spartiates. Et on va se faire la petite bataille de conquête. Allez, hop, un petit peu de cuir. Mystios, as-tu envie de te forger un nom dans le feu de la gloire spartiate? Allez, nous avons besoin du rêve. De combattants sur le champ de bataille si nous voulons enfoncer les lignes athéniennes. Allez, on va pour Sparte. Bien, nous sommes heureux d'avoir ton épée. Un mauvais jour pour Athènes, un jour glorieux pour Sparte. Allez. Allez, hop, hop, hop. Allez, hop, les flèches. Allez, je prends plus de dots à deux mondes, et mais on se portera. Ah, j'ai vu, il y a un officier. Ah. Oh, un assassin. La mort sera rapide, Mystios. J'emporterai ta tête comme trophée. Hop. Allez, tire! Là, j'ai raté mon coup. Je voulais faire un tir multiple. Allez, balance lui des dots. Ah.
Et en train de jouer, c'est pas mal. Allez, hop. Allez, mais... Il balance ses attaques, mon dieu. Et j'ai du mal à balancer mes attaques comme il le faut. Ah mais c'est pour ça que j'arrivais plus. J'ai plus de flèches. Par contre sur console ils l'ont mis en illimité, franchement. Hop. Allez. Où l'officier? Il est là. Allez, hop. Allez, on va remonter les charges. Et hop, on va s'enflammer. Ok. 36 soldats, 3 capitaines. Ouais, ça aurait pu être nul, je m'attendais à 3 récompenses en violet. Pourquoi ils en ont annoncé 3? Enfin, c'est pas grave. Géopoliticien. Plus 12% à l'armure totale. Badge assassin déverrouillé. Ça fait pas grand chose mais c'est toujours cette prix. Alors est-ce qu'il y a des choses à pour moi par là? Oui, 21, 35, l'air de rien, il y a des sous qui traînent un peu à droite à gauche. 14. Faire. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'on puisse pas récupérer les armures. Parce que là, il y aurait du loot à se faire. Ça fait pling. Voilà. Ouais, un fer. Une chèvre de morte au milieu de ses cadavres, ça choquera personne. Oh!
Bah tiens, elle m'a looté pas mal de choses, celle-ci. D'habitude, j'ai pas tant de choses. Bon, ok. Donc tout ça pour dire que... j'ai eu du loot. Alors qu'est-ce que ça m'a looté? Les têteuses, je crois que ça m'a dû me looter ça. Et ça. Ouais. Ah, j'ai mis ça là. Ah oui, pour les 4% de proba. Bon, on va garder ça quand même. Mmh. Alors, c'est deux ceintures d'Arès. J'ai merdouillé quelque part, je pense. Mais enfin, c'est pas grave. C'est fait, c'est fait. Ne pas brader les saphirs du trésor, rendez-vous fort. Ouais, bon, ça c'est fait déjà, celle-ci. Le masque s'est installé dans les grottes du monde grec. Ok, ouais, donc faut faire toutes les grottes. En gros, il y a une quête là-dessus, quoi. Bon, j'espère que cet épisode vous aura plu quand même si j'ai galéré comme pas possible sur ce maudit sanglier. Mais bon, au moins, c'est chose faite. On voit le fort aux couleurs de Sparte maintenant. Ça, c'est sympa. Tiens, j'ai un point d'aptitude. On va aller voir ce qu'on peut en faire maintenant qu'on est passé 16. Est-ce que ça a débloqué ou pas quelque chose? Oui, ça a débloqué des choses. Ça a débloqué des choses. Alors, déjà ça, je peux... bah, je pense que je vais... déjà, on va finir. On va tout réinitialiser. Donc ça, je veux. Ça, je veux. Ça, je veux. Ouais, on va le mettre sur 4 parce qu'il est plus facile à attraper sur... j'ai pas besoin de réussir à l'attraper facilement. Ça, je ne veux pas. Ça, je veux. Ça, on va y réfléchir, mais je pense que je vais prendre. Ça, je n'ai besoin. Non. J'ai besoin de régène facilement. Ça, il me faut. Je veux le feu. Hop, en 3. Ah bah oui, bah si je mets ça, attaque très puissante variant selon le type d'arme nécessite 3 segments d'adrénaline. Appuyer sur... c'est lequel mon 5? 1, 2, 3, 4. Je vais aller voir c'est lequel mon 5. Dac. Ah ça ferait plus de dégâts par incendie. J'ai 8 points encore. Faut que je fasse gaffe. Ça je peux l'améliorer ou pas? Non. Faut que j'améliore mes assassinats. Parce que j'essaie quand même de jouer furtif le plus possible. Ça, c'est pas mal. Ça, je m'en suis pas servi du coup. Je sais pas comment ça marche. Il me reste 4 points. Surpuissance à l'arc. Ah, ça permet de tirer à travers les murs. Et les boucliers. Oh, c'est pété. C'est carrément pété. Ah, ça coûte pas de flèches. Ah, ça peut être cool. Ça, c'est une aptitude de chasseur, on est d'accord. Du coup, ça ferait 20% de dégâts en plus. Attendez, il me reste 3 points. Faut que je joue intelligemment. Ça consomme pas, donc je peux prendre perce bouclier. Je peux pas l'améliorer. Je peux pas l'améliorer. Ça je peux améliorer. Ça je ne peux pas.
Mais ça, je peux pas. Faut que je progresse dans l'histoire. Donc là, je suis à manipulation de feu digne d'un pyromancien, accumulation incendiaire accrue de 60%, durée des effets de brûlure accrue de 6 secondes, dégâts de feu. Donc ça, ça va optimiser mes dots. Ok. Bon, bah on est pas trop mal. Et ça, ça me permet augmentation de 30% des dégâts. Non, augmentation de 20% des dégâts de chasseur, pas de consommation de flèches lors des emplois d'aptitude de chasseur. Donc si je fais mon celle-ci, ça me coûtera 0 flèches. Donc je pourrais toujours les faire. Ça, je pourrais si y spammer, ça me dépensera pas mes flèches. Ça c'est bien ça. Ça c'est bien pour la 51 minutes. Joe, s'il te plaît, avance un peu. Ok, donc nous on est niveau 16. Échelon 8. C'est qui lui? Oh, niveau 16. Allez, KO, Shades, ok. Bon, bah je trouve qu'on a plutôt bien avancé. Ah, ça c'est dans une arène? Ouais, il est dans une arène apparemment. L'imaginatif. Là, je connais personne. Zosismos efficace. Ah, ils sont plus que 3. Ouais, et lui, je sais pas où il est, et je m'en moque un petit peu. Ah oui, mais lui, je l'ai eu, ouais. Je viens de le tuer sur le champ de bataille. Et pourquoi il a une coche, lui? Donc, ce qu'il faudrait que je fasse, ce serait que j'arrive à tuer... Ah mais ils sont quand même plus hauts. Lui il est peut-être à ma portée en mode fourbasse, le niveau 16 et le 17, ça peut se faire. Ouais, histoire de prendre leur place. Lui ça risque d'être compliqué à battre. Bon, voilà. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner si ce contenu vous a plu. Ciao ciao les amis.